Ramsès, viens manger mon petit pépère, viens manger mon petit pépère, viens. Ramsès. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Faut pas le gêner! Je n'ai pas une minute, je reboucherai, vous inquiétez pas. En vrai, mais je rêve! Tu crois où, là? Arrête ça tout de suite! C'est bon, j'ai bientôt fini, t'es l'air pas. C'est quoi ça? Ok. Écoute, ici t'es chez moi. Alors si tu dégages pas tout de suite, je te défonce la tronche, tu comprends? Je crois pas, non. Ça fait un moment qu'elle a déménagé. 7-8 ans. Elle sait que t'es sorti hier. Le quartier a changé, tu verras. Elle habite où maintenant? Elle est avec quelqu'un? Oh, ça va, tu vas pas commencer à lui chercher des noises. Juste savoir, putain. Elle habite où? Oui, de sa vie. T'as des projets? Tu vas bosser? Je préfère éviter. T'es marié, toi? Je vis avec quelqu'un. Elle vient dîner ce soir à la maison, je la présenterai. S'il vous plaît, on pourrait avoir notre carte de vin? Ouais. Excusez-moi pour le retard. Merci. Merci. Dis-moi, je cherche quelqu'un pour changer du fric. Comment ça? J'ai 200 patates en francs. Si je me pointe à la Banque de France devant le comptable du Trésor avec ma tronche et mon CV, je suis bon, moi. J'avais peur que les flics t'essaieraient avec ton blé. Parti seulement. Mais c'est pas moi qui pourrais t'aider. J'ai les impôts au cul. Ils serviront au passage, ces enfoirés. Et Charlie. Il est réglo, Charlie. Il est toujours dans le quartier? Oui, toujours. Au Père Lachaise. Il s'est fait buter il y a 2 ans. Une dispute pour une place de parking. C'est-à-dire à quel point le quartier a changé. Ça va, alors, il paraît que sur place des fêtes, hein? Bouffon, va. Bon, je me casse, mais on se revoit vite. Hein, ma clou? Mais t'inquiète pas, je vais te trouver quelqu'un de confiance. Comment il t'a parlé, ce petit con, là? Tu lui crois pas après pour lui casser la bouche? J'ai autre chose à foutre. Ouais, t'as raison. Il a bien changé le quartier. Maman? Ah, ça va, mon chéri? Oui, et toi? Tu m'aides? Ouais. Ça va, t'as eu ton contrôle? Ouais, il est un peu dur. T'as réussi, tu crois? Ouais, oui. Faut que je le sorte.
Sinon, il va être trop cuit. Il a dû avoir un problème. Pourquoi tu m'as jamais parlé de lui? T'aurais pas forcément apprécié. Je te sers? Oui, je veux bien, oui. Il était jamais allé le voir en prison. Il a pas voulu. Il compte s'installer dans le quartier? Où est-ce que tu veux qu'il aille? C'est un mec bien, tu verras. En même temps, 15 ans de prison, ça doit pas être un ange non plus. Il a fait quoi pour mériter une peine aussi lourde? Un braquage qui a mal tourné. Quoi, il a tué quelqu'un? Ça n'aurait jamais dû arriver. S'il avait pas tiré, on se serait jamais rencontrés, toi et moi. T'étais avec lui? Le vigile allait me descendre, il n'a pas pu faire autrement. On était masqués. C'est la balistique qui a permis aux flics de remonter jusqu'à Joe. Et il leur a rien dit sur moi. C'est fini, tout ça. Tu le sais bien. Je ne serai même plus capable de voler un carambar. Dès que j'ai mis une patate, même pas, il a bronché ce matin. Hey, sur la vie de ma mère, c'était trop facile. T'es chaud, on y va, on lui fait sa caisse. Tranquille, les gars, il va pas s'envoler. Hein. Hey, nous reste combien en bif là? Pourquoi tu me casses les couilles? J'en sais rien, moi. Fais voir, vas-y, monte là. T'es trop lourd, tu me casses les couilles là. Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est l'autre trou du cul avec ses potes, c'est ça? Ils font chier, c'est bon, je te jure. Là, qu'est-ce que t'attends pour leur coller une bonne branlée? C'est pas l'envie qui me manque. Ça va aller? En fait, j'ai trouvé quelqu'un pour défendre. Un gitan. Il a besoin de blanchir du fric. On peut lui faire confiance? Oui. Bon, t'as attendu hier soir. Désolé. Tu savais que Marianne avait un fils? Oui. Hugo, un gentil gamin. Pourquoi tu m'aurais dit? Je savais pas comment t'allais le prendre. T'es tellement soupolé, toi. Il a quel âge? 14 ans, je crois. Pourquoi? Marianne? C'est pas ton fils. C'est bon, Maria. Je t'ai compté. Au début, j'ai vraiment voulu avorter, je te jure. Mais je t'en veux pas de l'avoir gardé. Pourquoi tu m'as rien dit? C'est mon môme, putain. Ça change quoi pour Hugo? Il a dû apprendre à vivre sans toi. T'es là? T'avais pas une réunion? Si, si, mais ça a été annulé. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Joe est revenu. Il est au courant pour Hugo. Comment il a su? Il nous a croisés dans la rue. Il a peut-être changé. Tu sais, en 15 ans, t'en as parlé à Hugo. Tu veux que je lui dise quoi?
décolle, maman, je serai pas là avant 8h. À soir. À soir, mon chéri. Hugo! Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Bonne journée. Salut, ça va? Ça va, toi? Très bien. Tu t'en es sorti avec ton devoir de maths? J'ai cru que j'arriverais jamais, et toi? Ça m'a pris 10 minutes, pas plus. C'est vrai? Non, j'avoue, j'ai un peu galéré. Vas-y, fais nettoyer ton frère. Demande à Samia, là. C'est mort, elle kiffe toute la on dirait, hein. Ah ouais, c'est grillé pour toi, mec. C'est mon fils, merde. J'ai juste envie qu'il sache que je suis là, moi. C'est normal. Et si je voulais, je pourrais exiger un test ADN, elle serait bien obligée de m'écouter, quoi. Ah ouais? Faut que la justice s'en mêle. Et même avec un test positif, ils lui donneront raison à Marianne. Ils prendront aucun risque. Mais quel risque, putain? Quel risque? Eh bien, tu veux pas lui dire, toi, Marianne, que j'ai changé? Bah, il faut que tu la rassures. Trouve du boulot, mène une vie normale. C'est Ellie, ma cousin. Moi, c'est Greg. Assieds-toi, copain. Manu arrive, il en a pour 2 minutes. T'as faim? Non, ça va, merci. Excuse-moi, j'ai les mains mouillées. Le quartier? Ouais. Tu vois, ce qui est sympa ici, c'est que tout le monde se connaît. C'est comme un petit village. C'est pour ça qu'on s'est installé là. Je suis un peu pressé, là. Si on pouvait réessentiel, ça serait bien. Ah, t'as raison, c'est un défaut chez nous. Les gitans parlent trop. Tiens, vire-moi ça, c'est ouais. Dégueulasse. Tu comptes faire quoi pour l'oncle Denis? Le DI, c'est quoi? Double fracture du nez. 2 dents en moins. Tu t'es pas posé de questions, hein? T'as pas mis un coup de pelle à quelqu'un récemment? Ouais, attendez, je pouvais pas savoir, moi. Ah, tu te crois chez toi partout? Ah, écoute, je suis pas là pour chercher les embrouilles, d'accord? Pose ton cul, les mains sur la table! Ah, c'est bon, calme, calme, c'est bon. La maille, cousin. Bon, ça, déjà, c'est pour les dommages et intérêts. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de toi, maintenant? Hein? Tu ferais quoi à notre place? T'assurerais tes arrières? Pareil que c'est un putain de teigneux. Un vrai pitbull. Une balle dans la tête et on n'en parle plus. Avec tes conneries, on va être obligé de se débarrasser de ton pote Maclouf aussi. Il va se poser des questions s'il ne va pas revenir. T'as raison d'être inquiet, ma gueule. Allez, débarrassez-moi de lui, j'ai pas envie de manger froid, moi. Attends. Avant de faire une connerie, vérifie les billets dans le sac, ils sont faux. Je suis désolé. Pose ton arme! Arrête, fais pas le con. Tire pas, s'il te plaît. Tu peux partir, je fais rien, je te le jure. À part vous trois, qui savait qu'on se voyait aujourd'hui? Son oncle! C'est à l'hosto. Je dirai rien, je te jure. Mais toi, je t'en sors. C'est de leur faute, tout ça. J'étais pas d'accord pour que ça se passe comme ça.
mon enfant. Tu vois comme ça, petit bouffon. Je rentre chez moi. Arrête-toi, arrête-toi. C'est toi, ton sang. Tu veux pêcher les meufs de la cité, toi, hein? Je te trompe. Écoute-moi bien, là. Sa mère, c'est pas pour toi, t'as compris? Est-ce que t'as compris? Ça dans le crâne. Eh, mais laissez-le tranquille. Calme-toi, c'est bon. On s'amuse. Ah ouais, c'est très drôle, hein? Hugo! Fais pas attention à eux, ils sont ridicules. Hé! Il a la même coupe que toi. Ça va la danse? C'est pas tard. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent, les flics? C'est des mineurs. Putain, ils ont voulu mettre à l'amende ces petits enculés, tu te rends compte? Bon, les clients, putain, ils ont peur de rien. Si tu mets pas les hauts là, ils vont me bouffer. Je vais faire quoi? Les buter? Enfin, c'est des gosses, Joe. Ouais, c'est toi qui vois. Au fait, comment ça s'est passé avec le gitan? Une bagnole? Combien aux impôts? 25 000 euros, ça se plaque. Je les couvre. Tu veux que j'aille moi-même faire le change? Tu préfères que je fasse une annonce pour trouver quelqu'un? Ah, je suis désolé, je pensais pas que c'était un traquenard. C'est bon, c'est réglé. T'as éteint ton portable? Hein? Non, c'est la batterie, sûrement. T'étais avec Joe? T'étais avec lui? Il avait besoin de moi pour ranger les trucs, toi. Oh, tu pues la sueur, et t'as vu tes chaussures? Depuis 3 ans, j'ai démoli. Un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Alors là, putain, j'ai rajeuni de 20 piges. Dis-moi, en parlant de ça, t'as dû donner sévère, toi, en sortant de cabane. Je suis toujours en moins de Marianne. T'as pas pécho? Depuis 15 ans? T'as les testostérones qui doivent te bouffer le cerveau. Si tu veux, je connais 2 ou 3 gonzesses qui se feront un plaisir de te détendre. Laisse tomber. T'as regardé pour le comptable du trésor? Il y a le serveur qui déconne. Enfin, Internet, j'arrive pas à rentrer dedans. Connexion qui merde complètement. Les pages jaunes, ça n'existe plus. Moi, je m'en occupe. Ben non, t'aurais pu mettre une chemise, quand même. Oh, ça va, laisse-le. Va manger chez mes parents, hein. Pour un dîner de gala. Allez. Quoi? Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça, toi, hein? T'as un problème, gros con? Oh, je te parle!
prochaine fois que tu remets les pieds chez Maclouf, je te colle la bande. Ton père a jamais osé te mettre. T'as compris? Est-ce que t'as compris? Bah alors Nassim, tu t'es fait taper par les pieds du score sans vie ou quoi? Wesh, il y avait trop de monde au toboggan. Non, chez moi les gars, putain. Ouais Nassim, t'as oublié le respect? Vas-y, ramène tes fesses là. Voilà, voilà. Comme ta face là. Nassim, ça fait un petit moment que t'as pas aidé la communauté, non? J'ai rien, Belkas. C'est quoi? Sors ton oseille et ferme ta gueule. J'ai rien, voilà, j'ai rien. Vas-y, fouille-le-moi s'il te plaît. Inch'Allah, pour toi y'a rien. Inch'Allah. Pas bien de mentir, cousin. Là, sors d'où, cet oseille? Hein? C'est à ma mère, ça. Nassim, tu fais du business derrière mon dos? C'est à ma mère. Non. Écoute, Nassim, la prochaine fois que tu mens, c'est pas toi qui vais te dépouiller, c'est ta mère. Ça va comme ça ou pas? Hein? Vas-y, dégage. Vas-y, bouge, là, qu'est-ce que tu racontes à l'arrêt, là? Casse-toi, mon vieux. Vas-y, casse-toi, te retourne pas, là. Nassim? 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 Ah, tu pourrais frapper, putain! Et toi, tu pourrais répondre? Le directeur de ton collège a encore appelé? Paraît que ça fait une semaine que tu vas plus en cours? Si ton père était là, tu t'amuserais pas à ça. Arrête avec lui, ok, là, si vous voulez. Et je vais faire comment, moi, avec ta sœur et toi? Ils vont nous supprimer les allocations si tu retournes pas au collège. On s'en fout de leur oseille, je vais bosser, je te dis. Et tu comptes faire quoi? T'inquiète pas, c'est bon, le fric, ce sera pas un problème. Qu'est-ce que t'as à la lèvre? C'est rien. Je te préviens, si tu traînes avec les autres en bas... Arrête, Didier, putain, arrête! Casse les couilles. Quoi là, c'est... Faut faire attention, mon grand. C'était vert. Ouais, mais tu fais trop confiance aux autres, c'est pas bien ça. Merci, bonne soirée. Fais attention. Imagine que Marianne, elle te voit tourner autour. Elle va flipper. Bah, j'ai voulu voir s'il pouvait me reconnaître. Il t'a jamais vu. Et alors, on a le même sang, les mêmes gènes, des fois ça parle, ça. Je te fais rentrer un petit saumur, tu vas me dire ce que t'en penses. Je te trouve un peu chétif, Hugo, pas toi? Mais c'est au fait. T'étais pareil à son âge. Ouais, en tout cas, il allait en mal dans sa peau, ce gamin. Je suis sûr que c'est à cause de l'autre con qu'il fait chier, là. Qui ça? Son lascar, elle. Je te jure, s'il touche un seul cheveu, nous, gamin, je... Non, et commence pas à te monter la tête, merde. Quoi, tu le connais, ce mec-là, toi? Pas vraiment. Je sais qu'il est instituteur à l'école Sorbier. Ah ouais? T'en as pas connu les instituts là? Mais Marianne ne serait pas restée avec lui. Tu la connais. Ouais. Bon, au fait, on a rendez-vous demain pour le change. Et qu'est-ce qu'on va lui dire au mec? Faut qu'on trouve un truc crédible. Ah. Oh. Non, ma chérie, tu tombes bien. Ouais. Présente Karine. Bonsoir, Jo. C'est exactement comme j'imaginais. Ouais, je sais pas si je vais prendre ça comme un compliment. Eh, vous allez pas vous voyez. On est en famille, hein. Bon, ça vous dirait un petit plateau fruit de mer à la Bastille? Non, je vais vous laisser, ma. Ouais, Jo, allez, c'est moi qui régale. Non, faut que je rentre. Je suis fatigué, faut que je me repose. J'ai pas encore réussi à concilier liberté et sommeil. Je vous souhaite une bonne soirée. Tu l'as vexé.
Attends de le connaître avant de le juger, merde. Je le juge pas. Mais toi, t'as changé, et pas lui. Ça se voit tout de suite. Nassim! Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tares, tu devrais la surveiller, hein. Pourquoi Mares? Elle qui fait un goulot, là, un petit bouffon de ses francs qui se la pète. Ouais, et alors? Et alors? Attends, cousin... Hey, écoute-moi bien, déjà, je suis pas ton cousin, ok? Ensuite, Mares, elle fait ce qu'elle veut. Alors tu la laisses tranquille, Samia, je veux même pas que tu lui parles, t'as compris? Hugo! Pourquoi tu m'attends plus? Qu'est-ce qui se passe? Rien. J'ai pas le temps. Faut que j'y aille. Marianne. Je savais pas que t'étais au chômage, si jamais je peux t'aider. Manque de rien, merci. Faut que j'y aille, j'ai un tas de trucs à faire. Tu lui as dit quoi sur moi exactement, Hugo, là? Est-ce qu'il sait au moins comment je m'appelle? Il me l'a jamais demandé. Tu s'entends bien avec ton mec? Quand t'es parti, j'ai mis 8 ans avant de retourner avec quelqu'un. Philippe, je l'ai pas choisi par hasard. Moi, je veux pas gâcher votre bonheur. Et c'est une chance que, pour que vous m'acceptez, je veux pas passer à côté. Tu peux comprendre ça? Hein? Hugo? Hugo? Hugo. Bah, depuis quand tu fermes la porte? Je suis plein gamin, merde! Qu'est-ce qu'il y a? L'assurance a changé d'avis. Les experts affirment que ton père est responsable de ce qui lui est arrivé. Et les témoins? 2 ans après, tu fais dire ce que tu veux aux gens. Surtout si t'as de l'argent. Aujourd'hui, ils disent que c'est de sa faute s'il est tombé du toit. Et l'assurance, elle veut rien donner? T'inquiète pas, ma chérie. On va se débrouiller. Nassim m'a dit qu'il allait essayer de trouver du travail. Ouais, ton frère, la seule chose qu'il est capable de ramener à la maison, c'est des problèmes. C'est tout? Pas avec ça qu'on va pouvoir s'acheter un demi-kilo, hein. Je dis ça, je dis rien. Non, mais les mecs, on va faire cracher ma clouf, là. C'est vrai, qu'est-ce qu'on attend? Mais ouais, tranquille les gars, il nous reste quelques barrettes à vendre encore. Tu te dégonfles ou quoi? Hey, écoute-moi bien, Michael, j'ai peur de personne, moi, ok? Putain, mais arrêtez d'être con, les gars! La clouf, on va se le faire ce week-end, c'est là où il fait le plus de thunes. Ouais, j'avoue. Bougez pas, les gars. Ça va, cousin? Qu'est-ce qu'il y a? Ah Oh là! Je crois que tu m'as pas bien compris la dernière fois. Ma soeur, tu la laisses tranquille, t'as compris? T'es off, toi, je lui pense tout seul. Ferme ta gueule, c'est moi qui parle! Elle traîne avec qui elle veut, son copain, tu le lâches. Je m'en bats les couilles, moi, Putain, ferme ta gueule! T'as de la chance que ça m'écoule cool à sa place, je te. Tu peux pas fixer le. Putain, je te dis, lâche-moi! Quoi? Vas-y, lâche-moi, j'en fous, avec toi. C'est quoi si tu veux revoir ton matos là? C'est ce qu'il te reste à faire. Plus d'en
fleur dans les bras, immense. Bien. Et hop, tu files, donne du dos. Allez. Allez, vole. Bien. Allez, hop. Voilà. Pied, pied, pied. Extérieur. Longue arabesque. Allez, viens. Et immense. J'arrive pas à lui parler en ce moment. Je sais pas ce qu'il a. Ah, il sent peut-être les choses, hein. T'es tendu depuis que son père est revenu. Mets-toi à ma place. Je vous lâcherai pas, je le connais. Mais pour l'instant, il s'impose pas. Il passe par toi pour approcher Hugo. C'est plutôt une bonne démarche. Mon père était joueur. Il est mort il y a quelques années. À la maison, il nous disait toujours qu'il avait gagné de quoi assurer ses vieux jours. Mais nous, on ne croyait pas. Et il y a une semaine, en fouillant dans ses affaires, j'ai trouvé une vieille valise. Moi, je pensais qu'elle contenait des vieux livres. Mon père lisait beaucoup. Vous êtes de la famille ? Non, non, c'est un ami. J'ai vraiment pas envie de me balader seul avec tout cet argent. Dites-moi, il va falloir que je paye une taxe, quelque chose, non ? Non. Nous allons remplir les bordereaux, compter les billets, et demain, après les vérifications habituelles, vous pourrez venir retirer vos euros. Quelles vérifications ? Déjà, nous assurer que les billets sont vrais. Un dernier détail. Vous préférez un chèque ou des espèces ? Tu vas faire quoi avec ton fric ? Bah, m'offrir une respectabilité, quoi. Je montrerai bien une auberge, tu vois, avec des viandes à la broche, des cerveaux dans le corset. Ça coûte cher, ça ? Bah ouais, mais avec mon pécule, est-ce qu'il va me rester du change ? On va pouvoir envisager quelque chose de top, hein, de bien, tu vois. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'as dit « on ». Ah ouais, j'ai dit « on ». Ça te dirait pas, là, une belle enseigne en mémoire du bon vieux temps ? Tu veux qu'on fasse un truc ce soir ? Je suis pas sûr que ça fasse plaisir à ta gonzesse. Il faut pas lui en vouloir, à part que je redéconne. Bon alors, qu'est-ce que tu veux manger ? Indien ou chinois ? Comme vous voulez. Oh, Marianne. Bonjour. Voilà. Ça va, Philippe ? On peut aller, oui. Oh, dis-moi, bonhomme, t'as grandi, toi ? Je vous présente Joe, un vieux copain. Bonsoir. 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 Au fait, on va ouvrir une auberge. Une vraie. C'est Joe qui a eu l'idée. Il a tout pensé. La déco, le concept. Ça va être magnifique, hein ? Ouais. Super. Il faudra venir. Ben, pourquoi pas ? Bon, ben, on s'excuse, là, on doit aller dîner. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Elle lui a pas parlé à Hugo. Elle va le faire, t'inquiète. Elle sait que t'as des projets maintenant. Comment ? C'était qui le monsieur avec Maclou ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je l'ai croisé l'autre jour en revenant de la boulangerie. Comment ça, tu l'as croisé ? Ils m'ont empêché que je me fasse écraser. Un scooter avait grillé le feu. Ah bon ? Et il t'a parlé ? Il t'a dit quoi ? Rien. Juste de faire attention. Et qu'est-ce qu'il faisait là ? Il te suivait ? Non. Enfin, je crois pas. Pourquoi il me suivrait ? Ton père, Hugo. De toute manière, je veux revendre. J'en ai marre du quartier. Trop de problèmes. Eh ben, j'espère que tu sais ce que tu fais. Mais tu dis ça comme si on allait au casse-pipe. C'est une affaire qu'on va monter. C'est pas un braquage. Et il vient d'où, l'argent de ton copain ? Non. Joe, il a payé pour ce qu'il a fait. OK ? T'associe pas avec lui, s'il te plaît. Je le sens pas. Mais de quoi t'as peur ? Son seul but dans la vie, c'est de se rapprocher de son fils. Bonsoir. T'as planqué le fric ou pas ? Ouais, t'inquiète, de toute façon, After 6, ils sont trop défoncés pour casser les couilles. Mais vas-y, même défoncés, cousins, ils peuvent prendre la tête. Arrête de stresser, putain. Alors, les petits cons, vous branlez quoi ? Rien, on rentre. T'es mal seul, on dirait des femelles. Comment t'es gagné, toi ?
Vas-y, marche droit, là. Connard. Bon, les gars, mon cousin s'attrape demain. Vas-y, gros. Vas-y, fais gaffe à toi. Maman a dit qu'elle allait essayer de trouver un troisième travail pour qu'on s'en sorte. Ouais, papa aussi voulait qu'on s'en sorte. T'inquiète pas, je suis là, moi. Ok? Maman, elle aura pas besoin de trouver un autre boulot. Ah, Marine qui est passée tout à l'heure, j'ai laissé ça pour toi. Tu veux un café? Non, rien. Elle m'a juste donné l'enveloppe. Tu sais, ça serait plus simple si t'avais un portable, hein. Jamais. J'ai vu trop de mecs au placard se faire gauler à cause de leur putain de téléphone. C'est un nid en merde, ces conneries. Hein. Dis bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Bah, allez vous promener, je vais attendre ici. Autour du lac, ça te dit? Ouais. T'as accepté de me voir. Maman m'a dit que c'était mieux que je vienne. Quoi, tu voulais pas? Je vais te demander pourquoi je suis là aujourd'hui. Hein? Pourquoi je n'ai jamais donné de signe de vie avant? T'as rien dit, ta mère? Non. Gamin, c'est bien que tu saches la vérité. J'étais en prison. T'aurais fini par l'apprendre un jour ou l'autre, de toute façon. Tiens, Hugo. Aimé très fort. Et si j'avais pas fait ce que j'ai fait, on serait certainement encore ensemble. Tu comprends ça? J'aime bien ce parc. Ma mère m'y a amené quand j'étais petit. Tu viens souvent, toi? Ouais. Ça nous fait déjà au moins un point commun, hein? T'as pas envie de me parler de toi un petit peu, là? L'école, comment ça va? Travaille bien? C'est quoi ta matière préférée?
Les maths. Fibre scientifique, c'est bien ça. Moi, c'est la géographie que je préfère. Les sports, t'en fais? Basket, foot, tennis, tout ça, là. T'aimes ça, le sport? Je fais de la danse. Quoi, la danse? Breakdance, là? Le techno, comment vous appelez ça? Hip-hop, c'est ça? Non, je fais de la danse classique. La danse classique? C'est ta mère qui a voulu que tu fasses ça. Non, je vais en faire mon métier. Bon, ben nous, on va prendre le bus là-haut. Tu dis au revoir. Au revoir. Salut, bonhomme. Si t'as besoin de me joindre, t'appelles Maclouf ou l'hôtel. Je suis au Luxor. T'as l'air déçu. Tu savais qu'il avait été en prison? Oui. C'est pas facile à dire, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a fait pour aller en prison? Il te le dira lui-même. Je crois que ça l'a un peu déstabilisé que je lui dise la vérité. Avec le recul, il va faire la part des choses. Il a dit quoi? Rien. Il parle pas beaucoup. T'as l'empire, son âge, tu parlais pas beaucoup. Hein. Les chiens font pas les chats. Ça, c'est moins sûr. Tu savais qu'il faisait de la danse classique, toi? Non? Il va en faire son métier. Je sais pas qui tient ça. Moi. De toi, peut-être. Tu sais, si ça se trouve, il y a un artiste qui sommeille en toi. Ouais, sûrement pas en collant, mon pote. Attends, c'est un milieu particulier, quand même, la danse, non? Mais t'as peur de quoi? Qu'il soit homo, ton fils? Mais j'ai pas dit ça, hein. Putain, mais c'est courant, quoi. Ah, t'inquiète, j'ai le croisé dans la rue avec des copines. Allez, viens, il nous attend le type avec les euros. Les gars, je vous le dis, hein, avec ces genres de mecs, là, on va faire des coups en noir. Merde, y a personne. C'est pas vrai, ça. Laissez un petit message et je vous rappelle. Hey. C'est tonton. Tu devais venir me chercher à l'hôpital. T'as oublié? Bon, là, je vais partir, là. Est-ce que tu peux passer chez Manu récupérer Ramsès? Merci. Tu l'as, Ramsès? Viens, viens. Qu'est-ce qui s'est passé ici, mon gros? Comment tu l'imaginais, ton père? Un peu comme Philippe. Bah, tu vois comme quoi on peut aimer des gens très différents. Désolé. Ça sent bon? On a eu une réunion pédagogique de dernière minute. Je te sers. Ouais. Alors, comment ça s'est passé avec ton père? Bien? Je veux plus le revoir. Je veux qu'on reste tous les trois, ensemble. Mais mon chéri, il n'est pas question qu'on se sépare. Je suis désolé pour l'autre fois. J'étais un peu sec. Non, c'est de ma faute. J'en fais un peu trop des fois. C'est le plus vieux métier du monde, mais c'est pas le plus facile. D'être au chômage, j'étais chef d'atelier dans la confection. J'apprends. T'es le premier qui revient. Ça me touche beaucoup.
Je savais pas que t'étais le pote de Nassim, toi. Sois tranquille, plus personne te fera chier. Hugo ? Ça va ? Qu'est-ce qu'il te voulait ? Rien. C'est qui Nassim ? C'est mon frère. Sous la douche quand t'as laissé le message. On va boire un café. Merci, mais j'ai rendez-vous pour un entretien. Je voulais juste te dire... Hugo veut pas te revoir. Je suis désolée. Il a peur, tu te rends compte? Peur que je respecte pas son choix. Il croit quoi? Que je vais le harceler, que je vais le kidnapper, hein? Ils l'ont bourré le crâne, c'est sûr. Franchement, je vois pas Marianne lui monter la tête. Elle a peur, et son mec aussi. De quoi? Que je pourrisse Hugo, que je foute leur couple en l'air, là, ils me prennent pour qui, putain? Tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Leur prouver qu'ils ont tort. Tu vas où? Pisser. Bah alors, Maclouf? Ah non, pas vous, les gars. Bon, allez, cassez-vous. Comment ils parlent? Ça va, mon fou? Comment tu parles, toi? Hein? C'est Pécrate qui te donne du courage comme ça? Tu vas cracher mon pote, maintenant! Arrêtez vos conneries, ça va mal finir. Sans déconner. Ah, elle est pour qui, celle-là, mon gros, hein? Oh, vous avez entendu ce qu'il a dit, là? Cassez-vous! Ah ouais, je me disais bien aussi. C'est que tu vas finir par l'avoir, ta branche. Lâchez vos bouts de bois, maintenant. Fais pas le con, merde! Lâchez! Voilà, lâche, lâche. Pose-toi, là. Voilà. T'es un vrai petit caïd, toi, c'est ça? Je t'emmerde, p***. Vous avez 3 secondes pour dégager. Ce fils de p***. Mais il aurait tiré, cet enculé. Elle avait la mort dans l'œil, hein. Je l'ai vu. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, il perd rien pour attendre, ces bâtards. Là, je prends jamais ces merdeux. Ouais, c'est bon, on n'est pas prêts de lire, on va. Tu les connais pas, ces petits cons. Puis qu'est-ce que tu fous avec un calibre sur toi, merde? C'est ça, ta nouvelle vie? Qu'est-ce qu'il y a? Toi non plus, tu me fais pas confiance? Tu sais quoi, vous me faites chier. Vous me faites tout chier. D'accord? Non, mais quand même, c'est ton père. Il est là. Tu te rends pas compte de la chance que t'as. Je suis désolée. J'aurais pas dû parler de ça. Moi, à ta place, je tendrai la main à mon père. Philippe! Tu veux lui dire quoi, Marianne, en rentrant? Que tu l'aimes? Pardon? Je suis peut-être pas un exemple pour Hugo, mais moi, sa mère, je l'ai jamais trompée. C'est la femme que j'aime que tu t'apprêtes à retrouver. Et mon fils. Alors, te fous pas de leur gueule. Alors, moi, on me demande de laisser Hugo tranquille. Moi, je te demande de faire un choix. Et vite. C'est toi, Philippe. Ah. Je finis, hein. Je suis sur le site, là, tu sais, Cree Job. J'ai 2 offres d'emploi sympas comme assistante de direction. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il est là, Hugo? À
la danse? Non, je pensais juste que... Je me disais qu'on aurait pu le rassurer à propos de son père. On l'a pas vraiment encouragé à le revoir. Je voudrais pas qu'il ait des regrets plus tard. Qu'il nous en veuille. Non? Si. T'es sûr qu'il n'y a pas autre chose? Non. Tout va bien. Et quand tout va bien, tu m'embrasses en rentrant. À moi qui m'emmerde. À moi? Enfin, chérie, pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Enfin, tu crois que c'est facile de dire à sa nana qu'on s'écrase devant des gamins? Alors, je me console. En me disant que je suis devenu un mec bien. À chaque fois qu'on vient m'emmerder, ben, je regarde le bout de mes pompes, comme tout le monde. Si tu fais rien, comment veux-tu qu'ils comprennent, Samonde? Tu vois qu'on sait pas de revenir, j'en ai vraiment plein de cul. Et tu comptes régler ça à l'ancienne, c'est ça? Je vais quand même pas me laisser taper dessus éternellement, sans broncher. Mais appelle les flics alors, si tu le fais pas, je le fais. Non mais pas s'il te plaît. Écoute-moi bien, Maclouf. Les codes d'honneur, les règlements de compte, c'est pas mon truc, désolée. J'ai pas envie de passer mes journées à t'attendre, à trembler, à me demander si tu vas rentrer ou pas. Si ça t'amuse, moi pas. Enfin, comment tu veux dire que ça m'amuse, bordel? Alors règle le problème. J'appelle les flics. Combien tu m'as donné là? 1500. On avait dit 1600. Ça va, Bambi, tu me connais. Arrête avec tes Bambi, putain. La prochaine fois, hein. Ouais, ça marche. Tiens. Tu peux y aller, là. T'as pensé à ce que je t'ai demandé? Ouais, je t'ai trouvé le top, mon pote. Regarde-moi ça. Pas beau? Et attention, il est chargé celui-là. C'est là, c'est pour moi, les gars. Mac, tu nous remets 200 serres, s'il te plaît? Ça marche. En fait, demain, vous n'oubliez pas un couscous mini, hein. Ah ouais, okay. Là où qu'ils sont un peu roulants. Ah, Marianne. Bonjour. Ça fait plaisir. Je t'offre un verre? Non, je venais juste déposer ça pour Joe. J'ai essayé de la placer en hôtel, mais il était sorti. Il n'allait pas bien hier, tu sais. Avec ça, ça va aller mieux. Assume. Ça fait un moment que je te cherche, là. Ta sœur, elle a besoin de toi. Pourquoi elle m'a pas appelé sur mon portable? Qu'est-ce qui lui est arrivé, putain, dis-moi. Rien de grave, mais quand on a une frangine comme la tienne, on la surveille. C'est quoi ce délire, là? Putain, qu'est-ce qu'on fout, là? Elle est où, ma sœur? Elle est où, putain? Espèce de petit con, va, hein? Tu joues les malins, toi, à faire du business derrière mon dos? Tu sais quoi, en attendant, je vais te faire passer l'envie de me niquer, moi. Oh.
Maintenant, tu fermes ta gueule et tu recules. T'as vu trop de films, toi? Oh, que putain, c'est trop de gueule et tu recules! Faut réfléchir avant de sortir une arme, espèce de fils de pute, hein. Déjà pécho. Non, le reste suit sinon. Moi, je t'aime. Putain, mais t'étais où, toi? Y'a Belkacem qui te cherche partout, là, ça devient chaud. À tous les coups, là, après pour le business, cousin. On n'a pas intérêt à mettre les pieds à la tête, hein. On va se faire défoncer. Non, arrêtez de flipper, les gars, c'est bon. La seule chose à craindre sur cette putain de terre, c'est le chemin de Dieu. Le jugement de Dieu? Il est sérieux, lui? T'es là, toi? Ah, par qu'il y a Blatter qui me cherche. Vas-y, va te poser. On va te poser, là. Qu'est-ce qu'il me veut? Ferme ta mère, je te dis. Putain, il est toujours sur répondeur, celui-là. Ouais, c'est Badi. Ouais, j'étais où, ma gueule? Y'a le petit Nassim, là, avec nous. Vas-y, rappelle-moi, Hachek, rappelle-moi. C'est qui, ce type? Alors, c'est un braqueur. À part lui, Manu, il était en affaire avec personne. Il devait lui changer un gros paquet d'oseille. Ses voisins, ils ont rien vu? Rien entendu? Ben, ils bossent la journée. En fait, comment ça se fait que Dominé n'est pas monté avec toi, là? Si, il sera là ce soir. Elle préférait prendre le train, il supporte pas l'avion. Ouais. Ton mec, là, tu sais quoi d'autre sur lui? Normalement, tu restes à l'étude, toi. Monsieur Prady, excusez-moi, j'ai pas vu sortir la classe de Philippe. Mais il avait pas cours cet après-midi. Ah bon? Oui, un vendredi sur deux, ses élèves ont art plastique. Il a dû rentrer. Merci. Moi, je vous en prie. Non, mais bien, tu seras pas en train de me la faire à l'envers, toi? Comme vous dites, là. Ah, le mois prochain, tu vas devoir t'occuper de la maison samedi. Je vais faire des heures à Auchan. C'est M. Keraoui du 4e qui s'occupe du recrutement des caissières. En fait, sa femme m'a dit qu'elle t'avait vu avec un garçon dans la rue. C'était Hugo? Celui qui fait de la danse classique. Pourquoi tu l'amènes pas à la maison? Il a peur. Il a peur de quoi? On me dit pas que c'est ton frère encore qui... C'est les gars de la cité, ils aiment pas trop les Gaulois, comme ils disent. Les Gaulois... Comment veux-tu que ça avance, tout ça? C'est quoi qu'ils te proposent? Un CDI. C'est génial. Tu manges pas? Désolé pour le retard. Encore une réunion pédagogique. Je sais pas ce qu'ils ont avec ça en ce moment, ils n'arrêtent pas. Ça va, bonhomme? Ouais.
Tu déshabilles pas? Ça va pas? Une fois de plus, je me suis trompée. Ça fait des semaines que tu me mens. Que tu disparais un vendredi sur deux, que t'inventes des réunions pédagogiques. Moi, je te faisais confiance. Jo est venu te parler. Jo, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Il en sait plus que moi, on dirait. Bonsoir. Bonsoir. T'as l'air perdu. Tu sais où je pourrais trouver une épicerie ouverte dans le coin, cette heure-ci? Wesh, Belka, elle a déjà dû pêcher au Nassim. C'est quoi ça, putain? J'ai lâché mon chien pour qu'il court un peu, il est tombé dessus. Probablement un règlement de compte entre dealers. Y'a que ça dans le quartier. Suivez-moi. Putain, c'est belle casse. C'est chaud. Vas-y, vas-y, viens, je tiens. Réponds, ma gueule, réponds, là, putain, je t'appelle, réponds. Vas-y, rends fou, celui-là. Hé, les frères, wesh. Hé, Belkas, il répond toujours pas. C'était allé fou. Sérieux? Bah ouais, ma gueule, je pète les plombs, là, depuis tout à l'heure, je l'appelle, rien. Je sais pas, il est peut-être avec une meuf, non? J'étais sérieux, toi? Vas-y, casse-toi d'ici, là, on réglera ça plus tard. Vas-y, dégage. On réglera quoi? Écoute-moi bien, au quartier, il y a des principes. Moi, je vais te les faire respecter, t'as compris ça? Vas-y, dégage. Casse-toi, là. Vas-y, c'est bon, tranquille, mange une pistache, c'est bon, tranquille, wesh. Vas-y, c'est toi, là, pistache, casse-toi, là, toi aussi, t'es sérieux, là? Ouais, parle bien, parle bien. Pour qu'ils se prennent ces bâtards. Et l'autre qui me parle de principe, principe de mes couilles. Je vais tous les fumer. Ils se prennent pour des boss, hein. Putain, puis on verra que c'est le boss. Je vais tous les fumer. Yanas, tu peux pas me rendre mes affaires? Putain, qu'est-ce que tu vas me casser les couilles, toi, hein? Vas-y, j'ai fait ce que tu m'as dit. D'abord, ok? Bouge! Sale fils de. Eh, mais guette, putain, guette. Mais il est pas sérieux, te v'là, toi? Putain, y'a un cul, ils nous ont rendu un service, là! Quoi? Ouais, j'ai la belle caisse, ça fait descendre. Sans déconner? On va y avoir des keufs de partout! Bon, vous savez quoi, les mecs, on arrête le business pour un moment, ok? Moi, j'ai faut prévenir les grands, cousin. Il a raison. Bah ouais, ouais. Putain, mais ma parole, vous faites exprès ou quoi? Vous trouvez pas qu'il y a un peu trop de concurrence ici? Hein? Saïd? Oui? Je te laisse fermer. Avant d'entrer, je vais aller déposer un truc à l'hôtel pour Joe. Ok, à demain. À demain.
T'as pas l'air d'avoir la conscience tranquille, toi. T'es sûr que t'en veux pas? Merci. Je suis toujours le seul à être revenu deux fois. Trois maintenant. Je crois que je suis pas faite pour ce travail. Tu m'as pas dit comment tu t'appelais. Jo. Enfin, c'est Joël. Comme mon fils. T'as un fils? Il a 2 ans. Les services sociaux l'ont confié à ma mère, le temps que ma situation s'arrange. Moi, c'est Agnès. J'ai tout fait. L'hôpital, le commissariat, les pompiers. Je lui ai laissé au moins 15 messages. Il est nulle part. Sans la Mijo? Bah, d'après le patron de l'hôtel, il n'est pas rentré non plus. Et Maclouf ne lui a rien déposé. Ah, ils sont sûrement ensemble. Ouais. Donc, quoi, ils se sont encore fourrés tous les deux. J'ai aucune ose, moi, des belles tasses. Mais t'es sérieux, là? Mais j'en sais rien, moi. Tu crois que je suis sa meuf ou quoi? Ouais, ça fait 15 000 fois, je l'appelle, frère. 15 000 fois, il répond pas. Mais bien sûr que je suis passé chez lui, frère. Réfléchis. Vas-y, de toute façon, là, j'arrive. Oh, vas-y, c'est quoi ce bruit-là? Ouais, j'étais où, là? Putain, c'est quoi ce bordel, là? Oh, les bâtards! Bande de cons! Des bombes, voilà ta putain de gueule. Hey, tu commences à nous gonfler, là, hein. Dis-nous où on peut le trouver, on te relâche. Parole. Putain, mais qu'est-ce qui t'a fait, le lascar, pour que tu te sacrifies comme ça, hein? D'accord, les gars. Eh, c'est encore... Lâche rien. Tu nous prends pour des cons, hein. À part quoi? Tu aurais pu lui donner un coup de main à ce fumier pour se débarrasser des corps. C'est ton pote, non? Je crois qu'il ne nous prend pas au sérieux. Ah ouais? Tu dis qu'ils ont que de la gueule, les Tangiers, hein, c'est ça? Alors?
Ça te monte au cerveau, là, hein? Tu dis quoi, là, maintenant? Rien? Espèce de... Quoi? Attends, j'ai vu la tête, là. C'est qui, ça? C'est ta Bouzni? Elle est mignonne. Tu voudrais pas qu'on passe chez elle, quand même? Non? Oh! Et ça, là, qu'est-ce que c'est? Tu veux prouver quoi, mon copain? Hein? Que t'as des couilles? Demande pas trop si tu veux les garder. Je vais te faire parler, moi. Tu vas te faire parler. T'es joueur? Ok. Hey. Ah, regarde comment il est bon. Ah, il est bon. Je suis désolé, mon chéri, je sais que c'est pas facile pour toi. C'est parce que mon père est revenu qu'on s'en va? Non. Ça concerne que Philippe et moi. Ils ont tous pécho. C'est quand même pas les gars de la cité qui ont tué Belkacem. Oh, attends, attends. Et les keufs, ils en ont rien à foutre de qui a tiré sur qui. Hein. Là, c'est grand ménage de printemps. Hein. Ils ont déjà pécho 3 kilos de tush, là. Comment tu sais ça, toi? Hein? Ouais, c'est le gardien de la cité, il m'a dit ça. Ils vont tous prendre trop cher, tous. Chercher quoi exactement? Des stupéfiants, du cash, éventuellement une arme. Tu l'as vu par Belkacem pour la dernière fois? Bah, je le vois des fois à la cité, mais hier je l'ai pas vu. Tu sais pourquoi il t'en voulait? Non. T'en es sûr? Ah ouais, j'ai aucun problème avec lui, moi. Farid? Oui? On a rien trouvé dans la cave. Ok, vous nous attendez au moins, on arrive. On nous a dit que tu touchais au business et que ça ne lui plaisait pas. Ah non, monsieur, moi je suis clean, en ce moment je cherche du boulot. Arrêtez de flinguer du monde! Madame, s'il vous plaît. Putain, j'ai rien fait! Tu vas sauter à faire tes conneries! J'ai rien fait, je te dis! Oh, mais le j'en peux plus, il est toujours dehors, j'ai aucune autorité sur lui! Eric? Oui? Y'a rien dans la piole. Ok. T'éloigne pas. On aura sûrement besoin de te revoir. Et un conseil. Retourne à l'école. Au revoir, madame. Bon, on y va. Allez, les gars, on y va! Tu peux mentir à la police, mais pas à moi. Maintenant, tu ranges! Ok. Putain, hé, hey, Badji, les autres, c'est trop des cons, eux. Comment ils sont fait fumer par les ch'tards? Ça se trouve, c'est un flic qui a descendu Belkacem. Hein. Juste pour avoir une raison d'étoiler la cité. Ces fils de p*** tout le shit qu'ils ont trouvé, ils ont dû le garder pour eux. Mais sérieux, là, t'es claqué, toi. Achète-toi des pieds, toi aussi. Oh là là. Oh. Oh là là. Presque une heure d'avance. On est sûr de pas les louper. Tiens, passe-moi les cartes de police dans la boîte à gants. Comment
on va les reconnaître? Ulmer et son gonflé, ça se repère facile. On embarque les deux? Il n'a pas fait de détails, l'autre enculé, hein. Puis je vais te dire, s'il faut travailler son monde pour que la mère nous dise où elle est, on va pas gêner. Et t'as pas le moteur? Non, non, je la laisse encore un peu chauffer. Hein. Sinon, elle est capricieuse au démarrage. Qu'est-ce que tu lui as mis sur le mot? Ce que tu m'avais dit, que t'avais réfléchi, que tu voulais bien le revoir. Tu crois qu'il va venir? Je crois même qu'il sera en avance. Même pas que je suis restée pour ça. Il y a quelque chose de très troublant chez toi. T'as toujours l'air triste. J'ai mal au bide. Il passe pas ton café, là. Ah bon? Mais il est bon pourtant. Je le prends au rayon du commerce équitable. Ah bon? Quand tu l'as connu, tu savais que c'était un gangster? Non. Il m'a dit qu'il était dans les affaires. Je l'ai cru, il était tellement gentil, attentionné. Tu lui en veux toujours? Ah, c'est difficile d'oublier. Je m'accroche à une famille qui n'est pas la mienne, à un quartier qui n'est plus le mien. C'est dur de se dire qu'il faut tout recommencer ailleurs. Tiens, appelle-moi. Merci. Ils sont où les deux autres? Bah putain. C'est plutôt des débrouillards, quoi. Bouge pas. Ils sont où tes copains? Ah. Tu vas être déçu. Ils ont fermé en sortant. Tu vas gentiment me donner les clés. Si t'abuses pas à faire le con, j'hésiterai pas à tirer. Bah vas-y, tire mon copain, tu vas ramoter tout le quartier. On a que des cousins dans le coin. Mets tes mains derrière la tête. J'ai horreur de demander deux fois la même chose. Tu prends le risque? T'es à jour avec tes vaccins? Quoi? Le tétanos, on oublie toujours celui-là. Dieu, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Prends tes affaires, tu peux pas rester là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est les gars de la cité qui t'ont fait ça? Je t'expliquerai plus tard. Faut que tu quittes Paris. Mais regarde dans quel état tu es. Putain, Karine, prends tes affaires et va-t'en. Et toi? Tu as besoin de moi. C'est à cause de lui, tout ça. Écoute, on n'a pas le temps de discuter. Alors viens avec moi. Je t'appelle quand tout est réglé.
10 caf, derrière. Si c'est eux, je me ferai un plaisir de la travailler, la mère. Ils ne sont même pas le gamin à l'autre en c***. Bingo. Tu me laisses parler, hein. Putain, c'est lui. T'es sûr? Il est gravé là, c'est ton c***. Va chercher la bagnole. Faut pas le perdre. Vas-y, en plus, j'en ai jamais touché. Je m'en fous. Tu crois que c'est un jouet ou quoi? Ah, tu es grand, le mec. Oui. Tu vas faire quoi? Tu vas le vendre? Ça? Mais réfléchis. Avec ça, il n'y a plus de grand, il n'y a plus de méchant. Tu parles, on t'obéit direct. Attendez. Il va où, lui? Ça va, enculé? Putain, le vent qui s'est pris. Il y a trop du cul. C'est jour. Tu m'as dit de t'appeler, je t'appelle. Putain, elle a fait quoi là? Laisse voir, c'est allé.
Mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver.